tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je vais vous dire quel est mon coup de cœur de l'année. Et oui, qu'on est rendu là, déjà un an. Donc, j'ai eu plusieurs jeux durant l'année. J'en ai que j'ai gardé, j'en ai que j'ai vendu. Donc, je vais vous donner mon coup de cœur sur les jeux que j'ai. C'est sûr. J'ai hésité entre trois jeux et à peu, je veux dire, c'est vraiment très serré. J'ai changé d'idée deux fois. En fait, la dernière fois, j'avais choisi un autre jeu et cette fois-ci, je me suis arrêté. Je vais vous donner, en fait, il pourrait être quasiment, ça pourrait être quasiment être mon top 3, mais je préfère dire que c'est mon coup de cœur de l'année, c'est celui-là qui surpasse les deux autres, ou tous ceux que j'ai eu cette année. J'ai hésité beaucoup avec le jeu Darwin, Darwin Journey, que j'ai ici justement, je suis à fond de ma tête. Et puis, j'ai hésité avec lui. Pourquoi c'est pas mon coup de cœur? Ben, c'est drôle à dire pour quelqu'un qui joue en solo, généralement. C'est un jeu-là que j'ai joué deux fois. Et c'est deux fois à deux joueurs. Deux ou trois fois qu'on a joué à deux. J'ai joué à deux. J'ai pas encore essayé le mode solo. C'est bizarre, mais pourtant, c'est un très bon jeu. J'ai pas eu l'occasion d'essayer encore le mode solo. Mais à deux joueurs, ça a été, disons que la première fois qu'on a joué, moi, mon ami, c'était assez dubitatif. Je veux dire, qu'on n'était pas sûr. Le jeu fait peur, les règles font peur un peu. Qu'au début, on n'était pas sûr de quelle stratégie on devait faire, les règles. Il y en a qu'on a fait des erreurs. Donc, à la fin de la partie, on était, comme je disais, un petit peu dubitatif. T'as pas sûr si on avait aimé ou pas. Bon, on s'est dit, on va réessayer. C'est au niveau de la deuxième partie que là, ce jeu s'est révélé, mais un jeu extraordinaire. Premièrement, on savait où on s'en allait cette fois-ci. On savait quel genre de stratégie on devait développer, quelle action qu'on devait prioriser pour avancer dans le jeu, pour avoir le maximum de points. Aussi, les règles. On était plus rassurés des règles. Les erreurs qu'on avait faites, on avait vérifié, j'avais vérifié les règles, même sur Internet, tout ça. Et on savait un peu plus où on s'en allait par rapport à ça. Et là, ça a été vraiment une très, très, très belle expérience. Pour ça, moi, ce jeu-là, je le considère un parmi qui était en finaliste pour être mon coup de cœur de l'année. L'autre, c'est là que ça a été plus difficile. Parce que ces deux-là que je vais vous donner, en plus de mon coup de cœur, c'était égal. Honnêtement, ils pourraient être mes deux coups de cœur si je voulais. Mais je préfère d'en nommer un. Donc, j'ai hésité entre 8, le jeu de course, et Dice Throne Aventure. Alors, quel est mon coup de cœur entre ces deux-là? Comme je vous dis, c'est pratiquement égal, mais je pense qu'il y a une meilleure jouabilité, ou bien, je ne sais pas, le fait que ce soit une aventure. Oui. Mon coup de cœur de l'année, c'est Dice Throne Aventure. Et c'est excellent. C'est pour ça que je vous dis, c'est presque égal. L'automa de 8 est excellent. Je trouve que le contrôle des voitures se fait super bien. La semaine passée, mon coup de cœur, j'avais des idées, c'était 8. Mais là, je ne sais pas, j'ai réfléchi, que j'ai évalué. Dice Throne, il y a une petite affaire de plus par rapport à la thématique, tout ça, les jeux de dés,
avec les cartes, plutôt que juste, en fait, Dice Throne était déjà très, très bon, mais j'y avais encore jamais joué parce que c'était seulement à deux joueurs. Ben, avec cette boîte-là, Aventure, Dice Throne Aventure, c'est venu changer la donne complètement. Puis avec les personnages, il y en a beaucoup. Puis là, ils viennent d'en sortir deux nouveaux, soit le Père Noël et Krampus. Je ne sais pas si je vais l'acheter. J'en ai déjà huit personnages. Mais je trouve que c'est un excellent jeu. Ils ont fait une très belle. La boîte en tant que telle est super bien faite. Le rangement de la boîte, super, numéro un. Donc, tout ça fait en sorte que ce jeu-là, pour moi, a une petite avance sur Heat et de Darwin Journey. Alors voilà, voici mon coup de cœur. Dice Throne Aventure. Alors, voilà, c'est tout pour ma vidéo de coup de cœur. Et en même temps, vous souhaitez, parce que ça va être ma dernière vidéo avant Noël. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Faites attention à vous. Et soyez modérés dans vos petites flemmes de coude. Alors, joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Et on se dit, vidéo avant la fin de l'année, c'est sûr. OK. Merci d'avoir été là. Bye bye.